Tu connais Edgar? Oui. On l'appelle le lion de... Ah. Lion d'or. Le lion d'or. Je suis quand même toujours étonné par ce tapis. En France, c'est un grand pays quand même. Hein. Les animaux ont des tapis, quoi. Ouais. Ouais, les chiens du Bénin sont tombés évanouis quand ils ont vu les images. Attention, on démarre par toi, Clara. Les endroits où l'on peut draguer. Une boîte. Oh, la rue, hein. Un restaurant. Oh, peut-être la tour Eiffel. Balcon. Une piscine. Un endroit de barbecue. Un parking. Chose, hein. Un four. Un micro. C'est pour micro. Un four, ça marche pas. J'ai dit un four, moi, si. Le four, c'est là où il dit du shit, tu sais. Dans une cité, on peut draguer dans une cité. Il a dit un four. Il y avait déjà le gong, je vais demander de rejoindre draguer l'établissement. Draguer dans un four. Gagner là-dessus, c'est pas bien, monsieur. Je suis désolé, madame. Je peux m'excuser. Nom que tu donnes à l'ex de ton conjoint. Ou de ta conjointe, bien sûr. Connasse. Chouchou. Pupute. Oh bah... Ton ex, tu l'appelles chouchou, toi? Non, ah, d'accord. L'ex de ton conjoint, tu l'appelles chouchou? L'ex... Mais j'ai même l'énoncé, j'ai pas compris l'ex de ta conjointe. On te parle de quelqu'un qui a consommé ton... D'accord. Comment tu l'appelles? Regret. Oui. Hein? Ah oh bon, va te faire... vous savez quoi? Cauchemar. Nique ta mère. Regret, bah pleure. Si tu l'approches... Je suis noir. Qu'on soit d'accord. Il a j'ai pas voulu. Je voulais pas les interrompre dans ce moment culturel, mais les surnoms que tu donnes à ton ex, c'est regret, cauchemar, tout ça, toi. Bah oui. D'accord. Bah si je suis plus avec elle, c'est parce que regret, cauchemar. Il a même dit chouchou, Arthur. Chouchou, c'est éliminatoire. Au nom de tous les ex, c'est éliminatoire. Vous êtes pas gentil. Je suis d'accord. Je suis gentil avec eux. Ça va pas. Attention, tu es prête? Ouais. Camisère est forte. Des endroits où l'on peut pénétrer. Dans une banque. Moi. Ah bon? Ah bon? Mais tout dépend des circonstances. À toi. Dans un studio télé. Dans un appartement. Dans une cabine de téléphone. Sur un terrain de basket. Dans une cabine téléphérique. Sur un terrain de foot. Dans une salle de bain. Sur un piste de hockey. Dans une maison. Sur une piscine. Sur une piste cyclable. Dans un stade de foot. Oh, sur une terrasse. Pour démarrer cette épreuve, je me suis niqué au niveau du cardio. Il faut tout donner. Pour me remplacer, je suis obligé de faire un changement stratégique. Vous connaissez ces tabourets de stand-up. Des plats italiens. Oh, les pasta al gorgonzola. Un seul. Pizza. Pasta alla arrabbiata. Pasta au gorgonzola. Pasta bolognese. Pasta au pesto. Pasta carbonara. De arancini. Pasta al tonno. Pasta al salmone. Lasagna bolognese. Pasta al quattro fromaggi. Lasagna vegetariana. Pasta al pasta. 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 Je voudrais présenter mes excuses aux Italiens qui nous regardent. Des pâtes aux pâtes, ça n'existe pas. Okay. Non, mais j'ai gagné, j'ai dit le dernier mot. Non, t'as rien dit. Pâtes aux pâtes, ça va. Des gens connus qui vous font fantasmer. Edgar Yves. Clara Morgan. Zendaya. Hein? Zendaya. Roman Dodwick. Timothée Chalamet. Zaya. Tom Holland. Beyoncé. Arthur. Oprah Winfrey. Alors Arthur, on peut quand même débriefer. Non, on ne fait aucune débrief, juste en fait, tout simplement. Oprah Winfrey, je dis moi. Ah bah, Tariq. Brad Pitt. Oh, c'est Edgar Yves, le gagnant. Alors. Boogie Major.